je m'appelle Jeanne Portefeuille, gérante de Digitani, une entreprise d'insertion dans le numérique. Donc, dans quel domaine se situe ton entreprise et quelles sont les solutions qu'elle apporte? Donc, Digitani se situe dans le domaine du numérique au sens large. Elle apporte des solutions pour des clients qui ont besoin de visibilité et de traitement de données en masse, de traitement manuel. Et elle apporte une solution pour des personnes qui sont en recherche d'emploi. Donc, Digitani est une entreprise d'insertion. On embauche des personnes qui sont en difficulté dans leur recherche d'emploi et qui ont besoin d'un tremplin pour se remettre dans le monde du travail. Alors, je vais choisir ma vie personnelle parce que je suis très attachée à l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Donc, à part travailler, que fais-tu ? Donc, à part travailler, je travaille pas mal. À part travailler, j'ai 3 enfants. J'habite sur une exploitation agricole puisque mon mari est exploitant agricole et éleveur, donc on est déjà pas mal occupé avec ça. En plus de l'entreprise, donc on est basé à Saverdin, aux portes de l'Ariège, donc ça me permet de vraiment d'être dans un environnement très proche et d'être actrice sur le territoire sur lequel je vis, ça c'est très important. Ok, mon futur, mon parcours, donc plutôt mon parcours. D'où te vient cette idée ? Alors l'idée, elle a déjà germé il y a quelques années, on va dire en 2016. L'idée est venue de... C'est une vieille idée, voilà, qui a 20 ans, de créer une entreprise d'insertion. Et je cherchais cette idée, donc j'étais dans l'aéronautique, dans les achats. Et je cherchais cette idée de dans quel domaine recréer l'entreprise d'insertion. Et j'en suis arrivé au constat de me dire qu'en fait, il y avait un besoin d'entreprise d'insertion et d'insertion dans le numérique. Et voilà, j'ai fait le lien entre les compétences que j'avais acquises dans l'aéronautique et dans l'achat des données et de services informatiques pour le mettre au service et vendre ces services-là avec des personnes en insertion. Ma vision de l'entrepreneuriat. Définition de l'entrepreneuriat. Donc l'entrepreneuriat, je suis tombée dedans quand j'étais petite, entourée d'entrepreneurs. J'ai découvert le mouvement coopératif il y a une quinzaine d'années. Donc, j'ai travaillé dans une SCOP et à partir de là, je me suis dit que pour monter une entreprise, mon entreprise idéale, ce serait une SCOP dans laquelle on puisse partager les responsabilités, qui offre à la fois beaucoup de liberté pour les personnes qui la composent et qui demandent beaucoup de responsabilités. Mais ces responsabilités sont diluées et tout ne repose pas que sur une seule personne, que sur un homme ou que sur une femme. Donc en tant que femme, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'offre voilà, plus de liberté et qui me permet de mieux vivre mon rôle d'entrepreneur.